Cette famille pèse 22 milliards d'euros et pourtant c'est la plus radine de France. Je suis sûr que tu connais Auchan, Leroy Merlin ou encore Decathlon. Eh bien leur point commun, c'est la famille Mullier. Mais qui est Gérard Mullier, l'homme derrière cet empire? Gérard est l'archétype de l'entrepreneur nordiste. Paysan, travailleur acharné, discret et surtout économe. Entrepreneur de père en fils, Gérard est né en 1931 à Roubaix comme Bernard Arnault. Tout commence dans les années 50. Gérard ouvre en 1961 à Roubaix son premier magasin dans une ancienne usine du groupe Fildar située dans le quartier des Auchan. Le nom Auchan est à l'origine du lieu, avec une orthographie due au souhait d'apparaître le premier dans l'annuaire. Sous les conseil d'Edouard Leclerc, il décide de baisser les prix et commencer à vendre en masse. Pour développer l'empire, Gérard a besoin de capitaux mais éprouve peu de sympathie pour les banques et les marchés financiers. Il fait donc appel à sa famille et crée le groupe Mullier, dont il prend les rênes. A noter qu'il voyage toujours en seconde classe et que les salaires des dirigeants sont limités. Le groupe Auchan est aujourd'hui présent dans 12 pays et emploie 180 000 collaborateurs. Les marques Kiabi, Noroto, Decathlon et Leroy Merlin appartiennent tous au groupe qui compte 723 hypermarchés, dont 121 en France et plus de 2000 supermarchés et supérettes dans le monde. Et pourtant, Gérard ne possède qu'une vieille Mercedes et économise chaque euro et maintenant